Bonjour à tous et à tous, ici Super Mimin et bienvenue dans une nouvelle vidéo de construction. Et aujourd'hui, nous allons construire des objets médiévaux. Pour commencer, nous aurons besoin de tout ce qui se trouve dans cette liste. Et pour commencer, nous allons faire les pots de fleurs. Mettez un bloc de terre, entourez-le de trappes d'or, fermez-les et mettez votre plante. Vous pouvez aussi en faire de 2, 3, 4, comme vous voulez. Vous mettez les trappes d'or autour des blocs de terre et vous mettez vos plantes. Comme deuxième construction, nous allons faire des petits arbres. Vous mettez des barrières où vous voulez les faire. Et ensuite, vous mettez au-dessus des feuilles. Vous pouvez en mettre 2, 3 ou même 4 d'eau. Comme troisième construction, nous allons faire des barils, des tonneaux ou autre chose. Commencez, vous placez un bloc de cobble. 3 de bois et un autre de cobalt. Ensuite, au bout, par-dessus le cobalt, vous rajoutez du bois. Par-dessus le bois, vous rajoutez un bloc de cobalt. Ensuite, sur chaque côté du bois, vous rajoutez un bloc de cobalt des deux côtés. Ensuite, au milieu, vous mettez du bois. En haut, sur le côté et l'autre côté aussi. Pour faire une croix en plus. Ensuite, vous rajoutez les escaliers. Vous rajoutez les escaliers en bois aussi sur le bois. Et sur leur côté face, vous rajoutez un crochet. La quatrième construction sera un tas de bois. Pour commencer, vous placez une ligne de bois de 5. Vous décalez de 1 pour ajouter une ligne de bois de 5. Et vous remettez à même longueur, mais 2 de plus long que l'autre, que le premier. Ensuite, le deuxième étage, vous décalez de 1 au bout. Et vous le faites dépasser de 2. Ensuite, vous rajoutez des rails sur les bûches à l'extrémité et sur le côté, vous rajoutez des échelles. Puis pour la deuxième sorte de tas de bois, vous faites la même affaire pour les bûches. Vous en mettez, vous décalez, vous mettez une autre rangée, vous mettez celle-là du dessus. Et pour mettre les rails, vous les mettez sur tout le long. Vous mettez pas d'échelle. Et voilà. La cinquième construction sera un lampadaire médiéval avec une flamme au bout. Pour commencer, vous rajoutez 3 blocs de cobble en croix ou en plus comme tantôt. Sur le côté, vous mettez des escaliers comme ceci, orientés vers le centre du côté où vous placez le lampadaire. En avant du bloc de cobble, vous mettez un muret. Ensuite, vous mettez 2 blocs de cobble au milieu. Vous rajoutez un escalier sur le côté. Et à chaque côté d'escalier ou par-dessus l'escalier, celui-ci, vous mettez un muret de cobble. Ici, vous mettez 2
de muret de cobble. Un bloc pour ajouter l'anusarak. Vous mettez des escaliers à l'envers ici. Et voilà. La sixième construction sur un tas de foin est le plus normal qu'il y a. Vous placez des blocs de paille orientés vers le haut comme vous voulez, la grandeur que vous voulez, la forme, n'importe comment. Ensuite, vous montez d'un étage, vous décalez d'un bloc, des fois deux, pour ajouter un non uniforme. Et vous mettez un troisième étage. Et voilà. La septième construction sera un coin chicha ou à vapeur. Pour commencer, vous placez 4 blocs de baked stone par 4 blocs de baked stone. Vous remplissez ce qui fait un carré. Vous décalez un du bout pour ajouter 3 blocs d'escalier de cobble. Vous mettez un espace au milieu et vous remettez 3 blocs, 3 escaliers de cobble. À côté des blocs, à côté des escaliers de cobble, vous mettez une bûche. Et en arrière de celle-ci, vous montez de 2 bûches. Entre les bûches, vous mettez des blocs de bois d'épinette. Au coin aussi. Et par-dessus le coin, vous mettez un bloc de bois. Ensuite, vous mettez des escaliers tout le long. Au milieu, vous mettez un escalier à l'envers. Vous prenez le coin à chaque fois pour faire un rond d'escalier. Et vous mettez deux stènes alambiques à chaque coin. Pour la huitième construction, vous aurez besoin d'un command block. Que vous rentrez cette commande. Qui vous fait apparaître une tête qui est en forme de pot. Et cette fois-ci, nous allons faire un tas d'herbes avec des pommes, de décorations extérieures. Pour acheter des feuilles comme le tas de foin de tout à l'heure, pour acheter au hasard, décaler un des fois deux. Un troisième couche si ça vous tente. Et ensuite vous rajoutez les pommes un peu au hasard. Et pour finir, nous allons faire un arbre, un bouleau slash saule. Pour commencer, vous allez prendre le centre que vous voulez. Vous montez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bûches de haut. Autour, vous mettez 5 de haut, 4 de haut sur deux côtés. Ensuite, devant ceux-là, vous en mettez 3. Sur le côté long, on en mettait 3 aussi, 3 là, à côté de ces deux là, 2, en face de celui-ci, 2, et à côté 2, devant celui-là, 2, et à côté des 2, 4, on en mettait 2, et 2 ici, ensuite on en mettait 1, comme ça. Entre les deux là, 1, 1, 1, 1, 1, c'est
pas obligé de faire pareil, faites comme vous voulez. Et je vous donne une idée, puis continuez. En terre, vous allez faire des racines. Vous mettez des blocs, des trous au hasard, qui rejoignent les os. Vous mettez pas du même côté tout le temps. Vous effacez un peu de relief. Vous en mettez une comme ça, comme ça. Et comme ça. Vous mettez sur pause si vous voulez faire comme moi. Pour le haut, vous voulez prendre une bûche. La bûche jouée, vous en mettez une de plus. Et vous mettez des racines un peu n'importe comment. Ça dépend de la grandeur du haut que vous voulez. Vous pouvez descendre un plus bas si vous voulez. Up in the summer sky. Vous pouvez mettre deux bancs là chez une. Vous montez. Allez sur le côté. But then crack the thunder. Ça. And the heavens. Voilà. On va faire ça. Ça. Our world torn asunder. Ensuite, vous refaites tout le haut des feuilles. Pour plus qu'on voit les bûches. Il fait les branches. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains. Watch me shine. Quand grosso modo, vous avez mis les feuilles. Maintenant, alors il est taillé. Donc en bas, vous pouvez mettre une petite triangle comme ça. Peut-être rejoindre en bas. Vous en mettez un qui dépasse des fois. Faites grossir vers le milieu. Faites rejoindre en haut. Vous pouvez le faire grossir votre arme. Comme ça. On en met deux ici. Même trois. Long ici. Là. On peut mettre le chaud. Ça, vous en mettez 3 là, 3 ici, 3 là, 3 là, 1 là, 1 ici, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, quelques-uns ici. Quand vous avez fait haut de votre arme, à quelques endroits au hasard, vous mettez des feuilles qui descendent de différentes hauteurs. Comme là, j'en ai 2. 4. 3. 2. 5. Puis un là. Il en manque peut-être un ici. Un, deux. Et c'est comme ça.
the summer sky. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Laissez un commentaire si vous avez aimé ou des suggestions de construction ou amélioration de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Ciao bro!